Yo la team, c'est Zaraki, j'espère que tout se passe bien de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour tester, eh bien, la fille du test de hier, donc de Gohan Beast. La fille qu'on aimerait tous avoir, tout simplement. Personnage qui est complètement broken. Alors attention à ce que je vais dire, parce que certains peuvent être assez choqués, mais encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas le créateur de ce jeu, je ne suis pas le meilleur joueur de ce jeu. Mais selon mon expérience, pour moi, Pan est le deuxième meilleur personnage du jeu actuellement. Tous mes avis, c'est en l'état. Hein. Je ne parle pas de « oui, mais il y a le festival, etc. » Non. Quand je juge un perso, c'est à l'instant T. Dans un mois, dans deux semaines, dans trois mois, dans six ans, dans 18 ans, j'aurai peut-être un avis différent, parce qu'on aura peut-être un équipement unique qui va arriver, un nouvel équipement qui va peut-être changer un perso, ou une team, une nouvelle catégorie qui apparaît, un perso qui vient de sortir, qui détruit le jeu, enfin voilà. C'est... Tous les avis, ils évoluent. Et ça, c'est important à préciser. Donc, pour l'instant, avec la sortie du portail et avec de nombreux tests, hein, vous l'avez vu dans la vidéo de Gohan Beast, avec une seule team, j'ai pu passer de top 7000 à limite, je crois que c'était top 80, je crois, un truc comme ça. Et j'étais donc premier de mon groupe. Voilà, donc dès le premier jour où je voulais tester la team. Donc, c'est quand même un truc de dingue. Pour moi, la Pan, elle est beaucoup trop forte parce qu'elle a un apport que n'a pas, par exemple, Piccolo. Hein, parce que Piccolo, c'est un perso qui fait très très mal offensivement et qui synergise très bien avec Pan et Gohan. Mais en l'occurrence, Pan, tu peux la mettre dans toutes les teams. Tu la mets sur l'emplacement leader, elle va booster ses alliés et en fait, elle n'a pas de limitation. Alors, elle va donner des choses au personnage Gohan, Piccolo, etc. Mais en fait, elle a... c'est un support, hein, c'est un pivot comme Tapion. Je trouve qu'elle est meilleure. Et ce qui est très très fort, c'est que déjà sa couleur, ben, l'avantage quand même pas mal. Et en plus de ça... en la mettant sur l'emplacement leader, elle va booster ses alliés et sa KZ, elle est débile. Mais quand je dis débile, c'est vraiment débile. Donc on va regarder un petit peu son kit. L'artwork, j'aime beaucoup. Hein. C'est très simple, mais efficace. Donc ça fait plaisir. Au niveau donc de Pan, elle est rouge de type assistance. Donc encore une fois, c'est un pivot. Je l'ai 11 étoiles exactement comme son padre. Coïncidence, je ne crois pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Au niveau des stats, on va regarder à 14 étoiles. Défensivement c'est incroyable hein. Double valeur défensive c'est débile hein. J'ai quasiment 175 000 pour un perso qui n'est pas transfo, qui n'est pas LF, c'est quand même un truc de dingue. Offensivement c'est assez léger, vous allez voir que le perso tape plutôt bien in game et au niveau des points de vie c'est assez bas, mais vous allez voir le kit juste après. Au niveau des catégories, elle en a beaucoup hein. Movie, métis, famille Goku, fille, enfant, etc. Elle va ramener deux cartes d'art sur le terrain, une carte blast et une carte strike. Les cartes strike peuvent ramener l'effet suivant qui va augmenter de 20% les dégâts des attaques strike pendant 2 secondes lorsqu'elles sont utilisées. Et là, préparez-vous bien, restez bien assis parce que c'est débile. Au niveau de toutes ces cartes blast et toutes ces cartes strike, lorsqu'elle va les faire, tout simplement, elle va augmenter de 5% les dégâts infligés par les alliés pendant 30 secondes. Oui, oui, 30 secondes, ce qui est énormissime. Tu fais une carte strike ou blast avec Pan et tu vas augmenter les dégâts infligés de tes alliés pendant 30 secondes de 5%. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que forcément, si tu fais une carte strike, ça va booster également les blasts. Et ça, c'est juste débile parce que si c'était, par exemple, la carte strike augmente de 5% les dégâts strike des alliés, je t'aurais dit que c'est moins fort. Là, c'est tout type de dégâts. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. Et il n'y a pas de catégorie, enfin de limitation au niveau des catégories. Par exemple, elle augmente de 5% les dégâts infligés par les alliés pendant 30 secondes pour les personnages famille Goku. C'est tous les persos du jeu. Je sais pas si tu te rends compte. Donc ça, c'est complètement débile. Au niveau de la spé, elle augmente de 1 ton nombre de Dragon Ball à chaque fois qu'elle place une spé. Et ça se déclenche 3 fois. Donc elle récupère assez rapidement les Dragon Ball. Si tu fais quand même 3 spé avec le personnage. Lorsque tu touches l'adversaire, elle va réduire de 5 secondes sa durée de mise en latence. Beaucoup trop fort également. Au niveau de la carte verte, elle va réduire de 35 le ki de l'adversaire. D'ailleurs, Pan, elle est assez relou parce qu'elle réduit bien le ki d'adversaire quand elle se fait taper, quand elle fait des cartes, etc. Et du coup, en fait, t'as l'impression que tu peux jamais combo. Donc c'est vraiment hyper frustrant. Et en plus, elle tank bien. On l'a vu avec les stats défensives qui sont hyper élevées. Et vous allez voir que le kit suit. Donc c'est très très fort. Elle inflige à tous les ennemis un malus de stats qui va réduire de 100% la vitesse de récupération du ki pendant 3 secondes. Donc ça aussi, ça va en adéquation avec ce que je disais par rapport au fait qu'elle est très chiante au niveau du ki. Elle inflige à tous les ennemis un malus de stats qui va réduire de 20% la quantité de régène de force pendant 30 secondes. Ça aussi, c'est complètement broken. Elle bloque les mains
pendant 10 secondes, les gars. Et ça se déclenche 3 fois. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bloquer les mains, c'est beaucoup trop fort. Et 10 secondes, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Surtout qu'elle peut le faire 3 fois. Et une verte, en plus, elle a pas besoin de toucher avec sa verte. C'est un effet. C'est-à-dire que tu fais la verte, ça fait un effet. T'as même pas besoin de bouger. Tu peux l'utiliser comme une carte qui va t'aider à temporiser. Et au final, toi, ça va t'aider à temporiser. Mais de l'autre côté, tu vas bloquer l'adversaire. Donc en vrai, c'est trop fort. Ensuite, elle va réduire également de 3 secondes la durée de mise en attente des alliés. Donc ça, c'est cadeau. Hein. Tu es pas loin de te faire rising, t'as plus d'esquive, tu fais une verte, tu peux switch juste après. Bah, ça te met beaucoup trop bien. Au niveau du main, elle détruit aléatoirement 2 de vos cartes et elle va tirer une spé et une carte unique, donc une carte verte. Donc en gros, là, tu fais la spé, bah forcément, tu récupères une DB. Donc ça, c'est cadeau, hein. Merci beaucoup. Tu fais une verte, malus à l'adversaire de ki, etc. Quantité de régène de force, tu réduis ton délai de mise en attente, etc. C'est broken. Tu te régénères le ki de 50, tu réduis de 3 secondes la durée de mise en attente des alliés. Donc là, tu fais ton main 3 secondes en moins pour tes alliés de durée de mise en attente. Et la verte que tu pioches parce que tu as fait le main, bah, tu peux re-réduire 3 secondes. Donc en fait, tu mets moins 6 secondes. C'est cadeau. Tu annules les désavantages liés à l'affinité d'attributs pendant 60 secondes. Et c'est indispellable, bordel de merde. C'est trop fort. Tu augmentes de 1 rang ta vitesse de pioche. Vraiment, elle est beaucoup, beaucoup trop forte. Au niveau de la cap Z à 14 étoiles, elle donne 20% de force, donc 2 points de vie pour les movies et pour les métis. Et elle augmente de 20% les coups critiques des familles Goku. Donc c'est là où je te dis, en la mettant sur l'emplacement leader dans n'importe quel team, ne serait-ce que pour son pivot, pour la réduction du délai de mise en attente, pour les malus qu'elle cale à l'adversaire, et pour la cap Z, notamment cap Z HP, bah en fait c'est trop fort, c'est vraiment beaucoup trop fort. Donc c'est pour moi, par exemple tu la mets dans une team fusion, alors que tu as SV, LF, Zenkai, 14 étoiles, ça te fait double cap Z HP, et t'as un perso fumé. Donc c'est débile, et on testera d'ailleurs ça je pense. Au niveau du premier passif, donc au début du combat, les effets suivants s'activent par combattant de l'équipe, augmente de 25% vos dégâts infligés, réduit de 20% vos dégâts subis, augmente de 20% votre vitesse de récupération du ki, et elle augmente de 25% les dégâts infligés par vos techniques spéciales. Tout ça est indispellable, donc ça fait plaisir. Une fois entrée en scène, les effets suivants s'activent sur tous les ennemis. Elle donne un malus qui va réduire de 10% la puissance des strikes et blasts pendant 20 secondes. Elle va donner un autre malus qui va réduire de 20% la puissance des spés, des ultimes et des éveils pendant 20 secondes. Et elle donne un autre malus qui va réduire de 30% le taux de coup critique pendant 20 secondes. Donc vous voyez, entre le ki, tous les malus, etc., quantité de régène de force, les dégâts des strikes, des blasts, de toutes les cartes en fait du jeu, tout simplement, même les coups critiques, c'est terrifiant. En plus, lorsqu'elle se replie, donc là on parle du pivot, les effets suivants s'appliquent aux alliés, elle va régénérer le ki de 40, 40 c'est énorme, elle augmente de 5% les dégâts infligés, donc ça peut aller jusqu'à 50%, c'est indispellable, pour aller jusqu'au 50% quand même, faut y aller, hein. Ça sera pas toutes les games, mais si t'y arrives, ben en face, bon courage, hein, bon courage, voilà. En plus de ça, elle va augmenter de 5% la quantité de régène de force, ça va jusqu'à 20%, et c'est indispellable également. Et pour le deuxième passif, alors elle a une cover strike, elle peut enchaîner avec l'SP, donc c'est très cool. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent chaque fois que vous subissez une carte strike ou blast ouverte. Donc ça c'est encore plus fort. Augmente de 2 secondes la durée de mise en attente de tous les ennemis se déclenche une fois. Ça c'est cadeau. En plus de ça, elle va réduire le ki de l'ennemi de 15, se déclenche 6 fois, c'est là où je vous le disais. Donc en fait, l'adversaire te fait 2 cartes, il perd 32 ki. C'est cadeau, voilà, ça c'est cadeau. Réduit de 1 seconde la durée de mise en attente des personnages, donc Gohan et Piccolo, comme je vous le disais, alliés. Là, il n'y aura pas de Piccolo dans le test du jour parce qu'on va la tester en Métis. Mais la team que j'ai testée pour Gohan Beast avec Piccolo, Pan et les 3 Kabze Zenkai, c'est la meilleure team possible pour les 3 persos. Après, en Métis, ça reste une énorme dinguerie. Mais voilà, je préfère le préciser. Après une attaque ennemie, les effets suivants s'appliquent aux alliés, augmentent de 30% les dégâts infligés pendant 15 secondes, régénèrent la force de 5%, se déclenchent 6 fois, et annulent les malus de stats, se déclenchent 6 fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise avec ce personnage? Pour moi, tout simplement, le meilleur sparking du jeu non LF, et je pense qu'elle est meilleure que tous les persos ultra en l'état sur le jeu, ce qui veut dire que Gohan Beast est numéro 1 et elle est numéro 2. Piccolo, en revanche, lui, il est plus bas, on le verra demain, mais ça reste quand même un très très bon sparking. Au niveau de la vidéo du jour, donc ne faites pas gaffe au nom de la team, hein, c'était des modifications. Donc on va tester tout simplement la team Métis. On a mis Pan sous Cap ZZenkai. On a donc le Great Saiyaman 1 et 2 qui va donner sa ZZenkai à Pan et qui va donner donc sa double ligne défensive au niveau de la Cap Z pour tous les movies et Métis de la team. On a mis Gohan Revive, on a mis Mirai Gohan.
Yagwan Beast, et on a mis le Trunks épée, DBZLF, j'étais en train de penser à l'épée Genkidama, sur un placement leader, tout simplement parce qu'ici on n'a que des personnages de la famille Goku, et vu que la cap Z de Pan pour les coups critiques s'arrête aux familles Goku, en mettant le Trunks sur l'emplacement leader, il va prendre cette cap Z. Voilà pourquoi. Donc au niveau de la présentation de la team du personnage, tout est bon. Pour les items, je lui ai mis celui-ci qui va donner des dégâts SP, de la défense et de l'attaque strike. On met celui-là qui est vraiment indispensable pour les personnages métis, qui va donner donc de l'attaque strike et blast pur jusqu'à donc à peu près, on va dire, du 24-26% pour les personnages métis. Et on va avoir donc celui-ci qui va donner de la défense strike, de la force, des dégâts SP et ulti. Même si elle n'a pas d'ulti, c'est pas très grave. On l'utilise surtout pour les points de vie et les dégâts SP. Donc voilà pour la présentation de tout. Et puis on se retrouve directement pour le test. Première game, et là ici, bah, on perd pas de temps, hein, on rigole pas du tout. Gohan Beast qui est 13 étoiles, 22 rang God. Le gars il a donc Pan 14. Et puis à côté de ça, bah, tu vois la team, bah, ça pique. Hein. Ça pique très très fort, très bien opti. Il a enlevé le Piccolo et il a mis le Gohan Revive à la place. Ça risque d'être quand même assez chaud. Je pense qu'on va prendre Mirai Gohan en vrai là. Ouais, Mirai Gohan, ça me semble être une bonne option. Ah ouais, on n'a pas besoin du leader, c'est pas. Ok. Bon, ça va être chaud parce que je pense que le gars il est pas là pour rigoler. Hein. Ça se voit qu'il est pas là pour blaguer. Vu ses points, à mon avis, il veut la win. Ok, on va envoyer Mirai Gohan. Ah ouais, des gigalags en fait. On est sur ce genre de phénomène. Ah ouais. Ah oui, non mais je comprends alors pourquoi t'es aussi bon. Ok. On voit l'aspect. Excellent. Ok. Bon là il a pas de côté je crois. Je crois qu'il a strike cancel. Ouais, ok, on a un petit cover. Wouah, mais c'est. Ah non, on l'avait plus. Pardon, je suis bête parce que j'ai pas utilisé le cas. On l'avait plus, non. Ok. Bon, ça va être très très chaud, hein, parce que là, vous voyez les lags, c'est. À un moment donné, il faut arrêter de jouer comme ça, les gars, hein, vraiment. Ok. Ok, allez, je balance l'aspect. Très bien. Qui main. Ah ouais, d'accord. On est sur des freezes de l'espace, quoi. Ok. Ok, ok. Ok, on voit que ça prend, a fait un peu plus de dégâts que la nôtre. Ah putain, les gars, c'est injouable. Hein. Ah là là là, c'est injouable. Mais d'une force. Vous voyez ou pas? Il vrai cover sans faire exprès. Est-ce que là, il me tue? Je pense pas, non. Je pense pas. On devrait le tanker, on est full life. Je crois pas qu'il avait la jauge au moment où. On le tank. Ok. Ok, je fais ça quand même. Pas le choix là, malheureusement, les gars. Pas le choix. Même si ça va le booster, bon, bah, c'est pas trop. J'ai pas trop le choice, malheureusement. Sinon, là, je perdais bah, mon Gohan, en fait, tout simplement. Ok. Vous voyez comme c'est un joueur ou pas, les gars? C'est terrible. Ok. Ok, waouh, c'est vraiment. C'est casse-couille! Eh ouais, connexion instable. Non, il a pas d'écho encore. Il a toujours pas d'écho, hein?
Si jamais il a toujours pas d'écho, les gars. C'est le top ladder, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est très très grave. On va la laisser la game, on va la laisser. On va la laisser. Il veut jouer comme ça, on va pas lâcher. Même si on n'a pas spécialement d'avantage sur le papier. On va pas lâcher. Ok, c'est bien tempo. Ok, vas-y, on va lui dire le ki. Il n'y a plus du ki, si jamais. Donc là, il est obligé de rising. Là. Tema, mais Tema! Alors, on réduit le délai de mise en attente de Mirigwan. Ok. C'est bon, tu peux venir ou tu vas... Allez, merci bien. Excellent. Putain, je vais péter un plomb. Bon, par contre, les dégâts, vous voyez qu'elle cale ou pas? Elle cale des dégâts, mon pote. Vraiment, elle a pas le temps. Ah ouais, mais là, c'est... Là, on est sur des lags. C'est compliqué de tempo. C'est compliqué de tempo. Ok. Ok. Toi, t'es mort. Donc déjà, là, ça va nous mettre bien. Là, ça va nous mettre vraiment bien. Parfait. Allez. Comment tu touches mon grand frère? Là, on est où? On est où, là? Ok, donc là, je fais la verte. Réduction de délai mise en attente. On le pousse à la faute. Excellent. Ok. Sur ma tête, jamais je te lâche, toi. Vas-y, switch, switch. Vas-y, voilà. Voilà, Bouffi. Excellent. Allez. On remballe. Allez, salam. C'était un plaisir, frérot. Voilà. Bon. Je la laisse dans le test parce que... Bon. Je sais que c'est pénible, etc. Mais là, j'avais une game, je suis obligé de la laisser. Par rapport en termes d'étoiles, je vous ai montré l'apport de Pan. Vous voyez le nombre de fois où elle m'a permis de récupérer mes personnages plus tôt. C'est une dinguerie. Donc la game était dégueulasse. Il y a des moments où on arrivait quand même à lâcher des cartes, etc. Bien sûr, les autres games, ça sera différent. En tout cas, j'espère, parce que... Voilà, hein, on veut quand même des games assez fluides. Mais en tout cas, ça s'est bien passé pour nous, même si le gars laguait beaucoup. Alors après, est-ce que ça venait de lui ? On ne sait pas, est-ce que c'est la distance, ça reste une possibilité. Mais en l'occurrence, le gars fait 22 fois Rangod, donc je pense pas qu'il lag. Hein. Je pense que c'est juste un problème de compatibilité entre eux, nous deux. Et au final, bah, ça s'est très bien passé pour nous, malgré qu'en face, bah, y avait beaucoup plus d'étoiles. Il n'y a pas eu de déco jusqu'à la fin, on passe à la game. Deuxième game, et là on a un joueur qui joue Métis. Et la team, elle est pas mal aussi. Elle est bien étoilée, pas autant que nous, mais ça reste quand même bien étoilé. Le joueur a fait 10 fois Rangod. Il a plus de points que nous aussi, donc c'est à prendre en compte. Est-ce que je prendrais pas Trunks pour cette game? Ouais, on va prendre Trunks. Ok. Oh, ça a l'air de pas laguer. Oh, une game qui ne lag pas. Serait-ce possible sur Dragon Ball Legends? Je sais pas si ça passe. On tente, hein. On tente le monde. Non. J'ai été un peu trop gourmand, j'avoue. La gourmandise du joueur français qui a gaspillé... Indulti. Bon, c'est pas très grave. En soi, c'est pas très grave. Ok. Attends, je vais faire le main aussi. Non, mais... Ah oui, du coup, il m'a lock. Et oui, il m'a lock, le coquin. C'est pour ça. C'est pour ça, monsieur. Elle m'a lock. Donc là, la pan, on la voit aussi de l'autre côté. On voit ce qu'elle donne de l'autre côté et... Et c'est tout aussi fort, hein. C'est tout aussi fort d'avoir les deux points de vue. Ok, donc il a l'anti-cover. Putain, c'est très chiant quand même. Très très chiant ce personnage. On va le laisser, hein. Je suis mort là, non? Ouais, bon. Ok. Très bien. Là, on a l'anti-cover. On vient montrer la pan, le problème c'est qu'il y a lui en face quoi. Il switch pas hein, s'il switch pas c'est bizarre quand même. Ah si voilà, enfin. Ah, la pan. Elle m'en fout. Elle m'en fout. Elle est tellement forte.
Quand même sexy, tu switches pas. Très très fort. Ok ok. Très très forte la pente. Et là en face, elle est en train de me faire du sale. Hein. Alors, pas forcément dans les dégâts, hein, mais dans ce qu'elle me... Dans ce qu'elle me cale, tout simplement. Le fait qu'elle me regis mon ki H24, qu'elle me lock mon main, je peux pas jouer correctement, vous voyez. Et ça, bah, typiquement, c'est important aussi à voir de... du côté opposé. C'est-à-dire que moi, vous voyez mon test où je joue le perso, mais c'est bien aussi en, en vrai. On est mort, là, hein. Ouais, on est finito là même. Par contre, faut, faut être un peu offensif, monsieur, non? Je sais pas ce que t'en penses, mais. Vas-y, on fait l'aspect. Ok, on l'attrape, ça c'est cool. Par contre, là, ça va être très 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 dangereux. Emma, on a encore. Putain, elle est chiante! Bon bah c'est lose hein les gars, c'est lose. Son Gohan m'a trop fait mal malheureusement hein, quand j'ai perdu le Trunks très très vite en début de partie. Vous voyez la nullification comme c'est fort. On peut pas toujours gagner, donc c'est important à préciser. Et en l'occurrence ici on a pu voir la panse qu'elle a donnée en face de moi. Et vous avez vu bah, les effets, c'est très chiant. Et en vrai c'est bien aussi ce genre de game où je montre bah, la première game, même si elle laguait parce qu'elle était quand même très très sale. Pan a fait du très bon taf de notre côté, et là c'est Sapan qui en face a fait un très bon boulot, donc comme ça au moins ça fait plaisir. On passe à la game suivante. Troisième game, et là on a donc un bon une team. Le joueur a beaucoup d'étoiles, c'est pas le plus opti parce que le banc bah, il est pas forcément tout n'est pas ZenKai 7, ou du moins minimum ZenKai 6. Piccolo n'est que 7 étoiles, que hein, je dis bien que par rapport à mes étoiles hein, c'est plus par rapport à ça. Le Gohan Beast est peu étoilé, mais en vrai vu la débilité du perso pas très grave. Et la Pan, elle est 13 étoiles. Donc quand même, bien étoilé. Ok, le joueur a 17 000 points, ce qui reste quand même assez, assez énorme. Et nous, on part avec ce trio juste ici. Ok. Parfait. Est-ce que j'enverrai pas l'aspect ici? Bah vas-y. Je le vois pas envoyer Gohan. Si, bah si, non. Ok, ok. Ok. On va tempo. J'ai mal envoyé. Bien joué ça. Ok, bien joué. Est-ce qu'il va envoyer l'aspect? Peut-être en vrai. Ah, c'est l'aspect. Ok, ok. Et elle l'a bien tanké. Franchement, elle l'a bien tanké. Parfait. Ok, j'avais anticipé la, la cover là ici. Parfait. Ouais, elle tape bien déjà. Alors j'ai certes plus d'étoiles, mais bon quand même. Ok. Pas mal. Bon, là il faut que j'arrête de jouer avec le feu quand même. Bien joué ça. Très très bien joué. Excellent aussi. Je peux pas rising, c'est tout le problème. Et puis là, regardez, elle me réduit. Moins 15, moins 15, moins 15. En fait, c'est ça qui est super avec Pan. C'est qu'en fait, j'ai même pas besoin de montrer moi spécialement ce que faut le perso. Dommage. Parce qu'en fait, elle... en face, ça montre déjà ce qu'elle fait. Qu'à partir de là, c'est pas trop grave. Hein. Les effets, on les voit en face de nous. Putain, par contre, ouais, quand j'y pense là... La puissance de la team. Je sais pas c'est qui ce joueur d'ailleurs. Que Budokai, normalement on connaît bien. On connaît bien cette guilde. Alors qui est ce jeune homme? Qui est ce jeune homme? Bon là on va lui tuer Piccolo. Je pense que ça a assez duré. Donc Piccolo, Owaridaze. Comme ça c'est fait, on lui prend un kill. A savoir que là j'ai Rising, donc je sais pas si Gohan a pris la, la survie au chaos. Ok, bien joué. Parfait. Oh, ça c'est bien joué. Il temporise bien quand même en face, hein. Il temporise assez bien. Donc c'est cool. Ok. Est-ce que
que je peux l'attaquer direct là? J'aimerais bien t'attaquer, mais Lucky? 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 Lucky, monsieur? Vous voyez Lucky ou pas quand je vous dis que Pan elle est complètement broken? Je ne rigole pas, les frérots. Pan, Lucky. Vraiment, c'est insupportable. Hein. Ok. Enfin, je vais faire l'aspect ici. Ah, mais il est mort là. Ah non, non, ok. Pas loin. Oh, c'est bien joué ça. Non, non, franchement, ça joue bien en face. Hein. Ça joue très, très bien. Il faut préciser qu'il a quand même beaucoup moins d'étoiles que nous. Et ça, dans les faits, ça compte. Hein. Ça compte quand même beaucoup. Et ben, elle me lock encore. Non, non, elle est insupportable. Elle est insupportable. Je peux pas jouer. Elle me permet de récupérer Gohan. Donc là-dessus, c'est cool. Mais... Ok. Je sais pas si Pan aura le temps de revenir. Bon, ok. Il a abandonné la game. Dans tous les cas, on l'aurait win parce que on avait l'avantage sur les tempos, même s'il jouait très très bien quand même en face. Il y avait l'écart de team, forcément, l'écart d'étoile qui a joué, ça c'est certain. Mais vous avez pu voir quand même que Pan, et ça c'est vraiment super cool je trouve, c'est qu'on n'est pas obligé dans un test, en l'occurrence pour ce genre de personnage, c'est un petit peu comme Tapion. Tapion par exemple, tu vas voir tous les effets qu'il va te procurer toi quand tu vas l'avoir en main. Mais c'est aussi bien de voir quand tu l'affrontes, parce que quand tu te manges le lock des blasts, le lock des strikes, etc., que t'as ta main qui est complètement lock, tu ne peux rien faire. Mais là, c'est un petit peu la même chose avec Pan. C'est-à-dire que le personnage dans ta main, bon, le perso peut être très fort, hein, donc elle tanque bien, elle tape plutôt bien aussi, c'est pas sa spécialité, un peu comme Tapion, mais elle sait très bien faire les deux. Et en l'occurrence, bah, tous les effets chiants, on les voit quand elle nous affronte. On peut pas le montrer ça quand nous on l'a en main. Et ça qui est très très sympa quand on a pu voir dans la deuxième game où elle nous a complètement bloqué. Et dans la troisième où à plusieurs reprises, si la game a autant duré, bah c'est à cause de... Dernière game, on affronte, je crois que c'est un français, oui, Gil Genki. Donc oui, c'est un joueur français qui a une team pas mal. Donc là il part en double cap Z HP. Broly va être assez insupportable dans la game, mais pourquoi pas, ça peut être une bonne idée de compo. Donc, let's go. Let's go, let's go. Ok. J'ai tenté direct l'aspect. J'aurais peut-être dû la garder pour Gohan, mais... Ici, on est du genre gourmand. Alors, je fais le main juste parce que... Bah, j'ai envie de placer l'aspect. Bon. C'est cadeau. Même si là, il y a Broly. Au moins, il fait la première cover. Ça me va. Ça me va, ça me va. Carte verte, donc on va être lock. C'est vrai que je me dis peut-être qu'enlever Piccolo et mettre Broly Ultra à la place... En vrai, ça peut être une bonne idée de compo. Hein. Ça peut être une vraiment une bonne idée de compo. Ouh là là, Broly va être chiant. Je reconnais, il va être très chiant. Ok. Bien joué. Ouf, l'aspect va piquer là. Non, ça va. Ça va, ça va. Bon, ça va, mais mid-life quand même. Rappelons l'écart d'étoiles qu'il y a entre nous deux. Ok, double cover. En vrai, ça va, il a fait ses covers. Moi, ça me va. T'as fait tes covers, maintenant, Walidaze. Ok. Bon, défensivement, c'est propre. On lui détruit les cartes, là. C'est vrai que là, on joue double pivot sur Guan Bist. Hein. C'est vrai que sur l'instant T, j'ai pas capté. Mais c'est vrai qu'on joue double... Mirai aussi. Ah ouais, non, mais tu commences à laguer. Ok, là on va avoir l'anti-cover. Ouh là 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 là. Très bien joué ça. Et là il a plus de cover sur Broly. Donc là forcément ça va faire mal en fait. Ça va faire très... Oui, oui, oui. T'as voulu cover beaucoup trop rapidement dans la game au début. Si je peux lui enlever Broly, ce serait vraiment un bon move dans la game. Garder Mirai Gohan, c'est bien pour montrer un petit peu Pan. Oh non, frère, c'est une blague. C'est une giga blague. Et j'avais plus d'esquive. C'est une giga blague.
Ah, c'est une blague, les frères. Il restait 10 000 points de vie. Là, le combo. Vraiment, pour rigoler, le combo parfait serait Kingston. Voilà. En termes de RNG, il serait à 1000%. La RNG a donc ses limites. Ça va. Je me sens respecté. Merci, le jeu. Je me sens respecté, les gars. Jouer ça. Ok. Merde, il avait le. Il avait donc. L'anti-cover. Ok. Alors là, je vais mourir, je pense. Là, je vais mourir. Du coup, ça me fait terminer avec les deux. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, ça peut se faire. Bah, en fait, non. La Miraiguane n'est plus là, non? Ouais, non, mais salam. Hein. Salam, salam. Ok. Bon, ben, ça nous a mis très bien. Heureusement qu'on a pu garder le Gohan Beast. Alors, forcément, dans le test, en termes de dégâts, etc., c'est Gohan Beast qu'on va voir. J'y repense, c'est pas un DPS. Il est pas là pour ça. Mais en tout cas, on a pu avoir une belle game. Hein, une belle dernière game. Elle aurait pu se terminer bien avant si on avait enlevé les 10 000 points de vie. Hein, coucou Broly. Voilà pourquoi Broly est très, 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 très fort défensivement avec sa jauge qui est complètement infâme. Mais c'était cool. Hein, on est quand même très bien placé dans le ladder. On a affronté des très bons joueurs. Donc ça, c'est très cool à prendre en compte. Hein, on est top 53. Donc on est deuxième de notre groupe. Voilà. Ce que je donnerais comme avis par rapport à la petite Pan. Pour moi, deuxième meilleure perso du jeu. Pas forcément parce qu'elle m'impressionne. Parce qu'elle tape fort, parce qu'elle tank bien. Mais parce que tout ce qu'elle apporte en fait à la team. Et tous les malus qu'elle cale à l'adversaire. Pourquoi les adversaires, ils nous envoient pas autre fin. Ils nous envoient pas autant de cartes qu'à l'époque. Tout simplement parce que la Pan les bloque. Et ça, c'est important à prendre en compte. Donc moi, franchement, la réduction du délai de mise en attente. Le fait que sur le main, même la récupération de Dragon Ball, etc. Le fait que sur le main, elle ait la nullification du type. Le fait que le personnage soit très relou au niveau du cut de ki, ça pour moi fait qu'elle est beaucoup trop forte. Alors oui, couleur est meilleure que Pan individuellement, mais là on est obligé de juger à la méta. Donc forcément, Pan est devant. Pour moi c'est ça, hein, le top 3 d'ailleurs, il y aura une vidéo qui sera donc tier list avant le Legends Festival. Il y aura une vidéo top 10 des meilleures donc, unités du jeu, je pense, qui arrivera aussi d'ici peu. Plus les tutos, plus les tests. En tout cas, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, un maximum de pouces bleus. Le petit commentaire qui fait plaisir pour me donner ton avis. Et puis, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. On va essayer d'atteindre les 10 000 followers pendant le Legends Festival. Prenez soin de vous, les frérots. À demain pour la reprise des lives. Là, ce soir, c'est mon dernier jour off pour récupérer ma voix. Ça va beaucoup mieux. Donc, demain, on reprend les lives. Et puis, demain, vidéo sur Piccolo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, la team. À demain.